Que le Seigneur bénisse tes efforts d'être présent. The Lord bless your efforts of being present. Il ne t'oubliera jamais. He will never forget you. Qu'il pourvoie à ton agent de transport. He provides your transportation means. Si on a chassé un démon de ta vie, viens. N'ayez pas honte. Ne dis pas que des gens vont dire que tu es possédé. If a demon was cast out of your life, come out. But don't say, people will say, oh, I was possessed. Et puis, dans la journée, je recevais que j'ai dit à l'équipe de délivrance de marcher dans la salle. And during the day, I realized that I told the deliverance team to walk in the hall. S'il voit quelqu'un qui tremble, qui est concentré, qu'il l'amène pour aller chasser les démons. Parce que certaines personnes ne veulent pas que le démon se manifeste. Elles ont honte. Et c'est dit que les gens vont dire que les démons veulent m'humilier. Si je tombe maintenant, ce n'est pas bon. Donc ils se concentrent. Si vous voyez un homme concentré, portez-le. So I told them that if they see somebody who is so concentrated, they should carry him and go and deliver him. Because some people don't want demons to make them to move. So they sit there as if they are very concentrated. Il ne faut pas que je sois humilié ici. They say, no, I don't want to be humiliated here. Ne protège pas un démon qui veut partir. Do not protect a demon that wants to go away. Alléluia. 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 Commence. Je suis la sœur Latifou Salimatou. Le Seigneur m'a délivré d'un démon, des serpents. L'année passée, j'étais là pendant le renversement des principautés. Après ma repentance, mon baptême, j'ai rendu témoignage de ce que j'avais vu dans les eaux des baptêmes. Mais après cela, j'ai été très, très, très malade. Très malade. Et j'avais une boule là, à ma droite. Quand je vais à l'hôpital, on me dit, c'est l'ulcère. Ou soit on me dit, c'est hernie de femme. C'est sur ce que j'étais basée. Et un jour, pendant que je dormais, le Seigneur va me délivrer. Il va m'amener dans un champ où j'avais envie d'aller au sel. Dès que je me suis accroupie, un truc est sorti, comme un ver de terre, les vers de terre rouges là, mais avec une tête de serpent. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, venez, venez voir ce qui se passe. Au fur et à mesure que je disais, venez voir, le serpent s'est transformé en bouc avec une longue barbe noire et s'est enfui en criant. Je voulais dire merci au Seigneur qui délivre ses enfants, qui délivre ses enfants des démons. Amen. Quand tu pries, when you pray, crois que tu as reçu. Believe that you have received. Crois que tu as reçu ce que tu as demandé. Believe that you have received what you asked for. Je ne dis pas de croire que tu vas recevoir. Je dis de croire que tu as déjà reçu. I'm not asking you to believe that you receive. I'm asking you to believe that you've already received. L'enseignement sur la foi est clair, sans confusion. The teaching on faith is clear without any confusion. Dieu dit. God says. Si tu veux t'approcher de lui, if you want to draw near to him, tu dois croire, you must believe, qu'il existe, that he exists, et qu'il remue, il récompense, il paye ceux qui le cherchent, and that he rewards, he pays those who seek him. Deux choses. Two things. Tu crois qu'il existe, you believe that he exists, tu crois qu'il rémunère, qu'il paye, and you believe, récompense. And you believe that he rewards, he pays. Il exauce. He answers. Et Jésus dit. Jesus says. Si tu demandes quelque chose en priant. That if you ask something in prayer. Crois que tu l'as déjà reçu. Believe that you've received it already. Tu verras la chose accomplie. And you'll see the thing being accomplished. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables,
par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ce passage dit que chacun d'entre nous, this passage says each one of us, nous qui avons reçu Jésus, we who have received Jesus, nous avons été rachetés de toutes les pratiques de l'idolâtrie. We have been redeemed from all the practices of idolatry. Et il ajoute l'idolâtrie criminelle. And he adds criminal idolatry. Les pratiques idolâtres de nos ancêtres. The idolatry practices of our ancestors. On fait de chacun de nous les vendus, les vendus. Made of each one of us those who have been sold. Les esclaves. They have been sold out as slaves. Et quelqu'un a rendu témoignage qu'il y avait un puits. Et someone, les serpents sortaient. Et un gros serpent est sorti comme le pilier de ce temple. Someone rendered the testimony here that there was a well and then snakes were coming out from it. Viens lire pour nous Ésaïe chapitre 26 verset 12. Come and read for us Isaiah chapter 26, verse 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Continue. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Toute l'humanité est sous l'esclavage du diable et de son armée, des ténèbres. All mankind is under the slavery of the devil. Des esclaves. They are slaves to the devil. Les gens vivent sous l'oppression des démons. Men live under the oppression of demons. Ils ne dorment pas. They don't sleep. Ils rêvent qu'ils mangent en songe. They dream that they eat in their dreams. Ils rêvent qu'ils sont perdus dans les forêts. They dream that they are lost in the forest. Ils rêvent qu'ils ont des enfants dans les ténèbres. They dream that they have children in darkness. Ils rêvent des maris de nuit, des femmes de nuit. They dream of spirit husbands and spirit wives. Ils rêvent qu'ils veulent grimper une colline, ils glissent, ils tombent. Toujours le même rêve. They dream that they want to climb a hill and they slide and come down. Always the same dream. Ils rêvent qu'ils habitent des maisons inachevées. They dream that they live in uncompleted buildings. Certains rêvent toujours qu'ils sont dans les cimetières. Others dream that they are always in the graveyard. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qui arrive à ceux-là. All that is bad is what happens to these ones. Ils ont des mauvaises pensées. They have evil thoughts. C'est comme si en eux il y a quelqu'un qui insulte Dieu. It's as if in them there is someone who is insulting God. Ils ont des pensées de blasphème. Thoughts of blasphemy. Il y en a qui sont tristes, qui pleurent, les larmes coulent d'une manière incontrôlable. There are those who are sad, they cry, tears come out in an uncontrollable way. Il y en a qui se prostituent. There are those who prostitute themselves. Ce sont des esclaves. Those are slaves. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Other masters than you have dominated over us. C'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. It is thanks to you alone that we call upon your name. Donc Jésus est venu. So Jesus came. Il a versé son sang. He shed his blood. Pour nous délivrer. To deliver us. Pour nous racheter. To redeem us. Pour nous libérer de l'esclavage. To release us from slavery. Et c'est une règle spirituelle. And it's a spiritual rule. Lis pour nous Exode 19 verset 4 à 6. Read for us Exodus chapter 19 verse 4 to 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Titus, chapitre 2, chapter 2, versets 13 et 14. Verse 13 and 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous,
afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Quand Dieu délivre, when God delivers, quand il rachète, when God redeems, il fait du peuple racheté, he makes of the redeemed people son peuple, his people, pour le servir, to serve him, pour servir à sa gloire, to serve in his glory. Nous sommes des rachetés. We are the redeemed. Nous appartenons à Jésus. We belong to Jesus. Jésus nous a rachetés. Jesus has redeemed us. Afin que nous soyons pour lui un peuple qui lui appartient. So that we should be a people who belong to him. C'est écrit, ce n'est pas toi qui as écrit. It is written, you are not the one who wrote it. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. You saw what I did in Egypt. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. And how I carried you on eagle's wings and brought you to me. Maintenant, now, si vous écoutez ma voix, if you listen to my voice, et si vous gardez mon alliance, and you keep my covenant, vous m'appartiendrez. You will belong to me. Entre tous les peuples, amongst all the people, car la terre est à moi. Because the earth is mine. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. You'll be for me a kingdom of priests and a holy nation. Vous m'appartiendrez. You belong to me. Vous serez pour moi. You'll be for me un royaume de sacrificateurs. A kingdom of priests. Alléluia. Alléluia. Et dans Titus il dit. And in Titus it says. En attendant la bienheureuse espérance. While we are waiting. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. The happy hope. Et de notre Seigneur Jésus Christ. And the manifestation before God of our Lord Jesus Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous. Who gave himself for us. Afin de nous racheter de toute iniquité. In order to redeem us from all wickedness. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. And to make for himself a people that belong to him. Purifié par lui. Purified by him. Zélé pour les bonnes œuvres. And eager to do what is good. Zélé pour évangéliser. Eager to evangelize. Zélé pour prier. Zealous to pray. Zélé pour chasser les démons. Zealous to cast out demons. Zélé pour briser les chaînes. Zealous to break chains. Le peuple qui lui appartient. Of the people who belong to him. Dis je proclame. Say I proclaim. Que Jésus m'a racheté. That Jesus has redeemed me. Je lui appartiens. I belong to him. Je lui appartiens. I belong to him. Tu dis Jésus m'a racheté. Say Jesus has redeemed me. Pour que je lui appartienne. So that I should belong to him. Pour que je sois zélé pour lui. So that I should be zealous for him. Zélé pour les bonnes œuvres en lui. Zealous for good works for him. Tout ce qui est bien en Christ, c'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. Lire la Bible, prier, all that is good, aimer les frères, évangéliser, jeûner, tout ça, c'est ça qu'on appelle les bonnes œuvres. All that is good when you do for God, like praying, fasting, reading your Bible, that is what is called good works. Zélé, zélé, zélé pour lui. Zealous, zealous, zealous for him. Alléluia. Alléluia. Dis je proclame. Say, I proclaim que Jésus m'a racheté. That Jesus has redeemed me. Pour faire de moi son enfant. To make of me his child. Dis nous proclamons. Say, we proclaim que Jésus nous a racheté. That Jesus has redeemed us. Afin que nous soyons un peuple qui lui appartienne. So that we should be a people that belong to him. Dis je proclame. Say, I proclaim que nous appartenons à Jésus Christ. Nous appartenons à Jésus. That we belong to Jesus. That we belong nous appartenons à Jésus Christ. That we belong to Jesus Christ. Nous appartenons à Jésus Christ. We belong to Jesus Christ. Nous appartenons à Jésus Christ. We belong to Jesus Christ. Dis je proclame. Say, I proclaim que nous ne méritons pas cette grâce. That we don't deserve this grace. Il l'a fait par amour. He did it by love. Par amour, by love, par compassion, by compassion, et par miséricorde, and by mercy, car il est écrit, for it is written, dans Isaïe chapitre 26 verset 12 à 13, in Isaiah chapter 26 verse 13 and 14, verse 12 and 13, l'Éternel notre Dieu, that is the Lord our God, notre maître que toi dominais sur nous, that our Lord was to dominate over us, mais c'est pas ta grâce seule que nous invoquons ton nom, that it is through your grace alone that we call upon your name, les démons ont dominé sur nous. The other gods, except you les have dominated over us. Dominé sur nous. Idols dominated over us. Les hommes méchants ont dominé sur nous. Wicked men dominated over us. Les maladies ont dominé sur nous. Sicknesses dominated over us. Les infirmités ont dominé sur nous. Les principautés ont dominé sur nous. Principalities dominated over us. Même les petits démons qui sont des apprentis démons ont dominé sur nous. Even little demons that are apprentices dominated over us. Mais c'est pas ta grâce. But it's by your grace alone. Que nous pouvons invoquer ton nom aujourd'hui. That we can worship your name today. Tu nous as délivrés de l'endurcissement des cœurs. You've delivered us from the hardness of heart.
Tu as fait de nous les enfants qui croient. And you have made of us children who believe. Dis, je proclame. See, I proclaim. Que j'ai la foi en Jésus. That I have faith in Jesus. Et n'écoute pas les mensonges du diable qui te dit tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Do not listen to the lies of the devil. Satan. So go behind me, Satan. Je lis cette langue. C'est bind that tongue. Cette langue des ténèbres. That tongue of darkness. Qui blasphème dans mes oreilles. That blasphemes in my ears. Et je proclame. See, I proclaim. Que je suis un enfant de Dieu. That I'm a child of God. Je suis un enfant de Dieu. I'm a child of God. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore cru et il est en train de proclamer comme les autres? Ce n'est pas bien pour toi. Is there someone in the hall who has not believed and is proclaiming like the others? It is not good for you. Nous allons ouvrir une parenthèse. We are going to have an insight. Pour faire la volonté de Dieu. To do the will of God. La parfaite volonté de Dieu. The perfect will of God. C'est que tu donnes ta vie à Jésus maintenant avant qu'on ne continue. Is that you give your life to Jesus right now before we continue? Parce que tu as été invité pour être béni. Because you are invited to be blessed. Maintenant, si on te fait proclamer les choses qui ne sont pas vraies, tu risques de rentrer avec la malédiction. So if we tell you now to proclaim things that are not true for you, you risk going back with curses. Si tu bois, tu es dans l'adultère, le mensonge. Quand on dit nous aimons Jésus, toi aussi tu dis, c'est très dangereux. If you drink and you live in adultery and you proclaim like us that we belong to Jesus. Qui veut se réconcilier lying. Avec Dieu maintenant avant qu'on ne continue, lève la main. Who wants to reconcile with God right now before we continue, raise your hand. Venez rapidement ici. Come quickly here. Nous allons vous aider et avant de continuer. Venez rapidement. Come quickly, we are going to pray for you before. Si tu veux te réconcilier avec Jésus. If you want to reconcile with Jesus. En abandonnant tes péchés. By abandoning your sins. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Stand up and come. Stand up and come. Alléluia. Alléluia. Si tu veux te réconcilier avec Jésus de Nazareth. If you want to reconcile with Jesus of Nazareth. Pour être dans la lumière et la vérité. To be in the light and in the truth. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu veux mettre fin. If you want to put an end. À cette vie d'hypocrisie. To this life of hypocrisy. Où tu vis volontairement dans le péché. Where you live voluntarily in sin. Mais tu vas à l'église, comme on dit. But you go to church, as if he said. Tu vas dès que tu entends qu'il y a une veillée là-bas, tu t'en vas. As soon as you hear that there is an all-night prayer somewhere, you go. Tu n'es pas préoccupé par ce que Dieu veut. You are not preoccupied with what God wants. Tu sers Dieu. You serve God. Selon ta religion. According to your religion. Vous savez pourquoi j'ai cru? You know why I believed? Dieu m'avait ouvert l'intelligence. Même quand j'étais dans le monde. God opened my mind even when I was in the world. Pour comprendre que les gens s'amusaient. To understand that people were joking. Et qu'ils n'étaient pas sincères. And that they were not sincere. Moi-même, je m'amusais. I myself was joking. Et le Seigneur m'avait convaincu que je devais acheter la Bible et lire et mettre en pratique. And the Lord had opened my spirit to see that I needed to buy a Bible, read it, and put it into practice. Mais je me disais, le péché d'adultère, je vais laisser ça quand j'aurai 40 ans. But I told myself that the sin of adultery, I had to leave it only when I was. Quand je serai âgé de 40 ans. When I'll be 40 years. Et j'avais un ami, on causait, il m'a dit, avec Dieu, c'est tout ou rien. And I had a friend with whom I was discussing, and he told me, with God, it is all or nothing. La vérité, c'est que cet ami avait des professeurs qui étaient des vrais enfants de Dieu, de notre œuvre. The truth is that this friend had teachers who were true children of God, of our work. Donc lui connaissait l'évangile. So he knew the gospel. Mais il n'avait pas encore cru. But he had not believed. Et quand j'ai rencontré les vrais prédicateurs, but when I met true preachers, j'ai posé deux questions. I asked two questions. Parce qu'il prêchait, il dit, il faut laisser les fétiches, il faut laisser le péché, il faut faire ceci. Because the priest and said, you need to leave your idols, you need to leave sin. Je lui ai posé la question. I asked him the question. Est-ce que si Jésus revenait?
that if Jesus had to come, je ne peux pas lui dire que c'est comme ça que nous dans notre religion, c'est comme ça qu'on faisait. Would I not be able to tell him that this is how we in our religion do it? Et il m'a dit, and he told me, si Dieu ne t'aimait pas, that if God did not love you, il ne t'aurait pas fait connaître la vérité. He would not have made you to know the truth. Frère, j'étais KO. But I was knocked down. Je connaissais la vérité. I knew the truth. À l'âge de 12 ans, j'avais déjà modifié la prière. J'avais enlevé partout où il y avait Marie. Je ne priais que là où il y avait Dieu. At the age of 12, I had already known things and I edited the prayer and removed all where there was Mary and the rest. And I only pronounced where it was God. Quand on priait, je regardais le ciel, je croyais que les anges allaient apparaître. When they used to pray, I would look at the sky and think that angels would appear. J'avais la foi. I had faith. J'ai modifié la prière. I modified the prayer. Si je disais à cet homme que je ne connaissais pas la vérité, if I told this man that I didn't know the truth, ça allait être très faux. Ça allait être faux. It would have been very false. Et puis, deuxième question. And then the second question. Je lui dis, et nos parents qui n'ont pas écouté ça. And then I said, but what if our parents who did not hear this? Il a ouvert la Bible. He opened the Bible. Il a lu Romains 2, verset 12. Lis-nous Romains 2, verset 12. And he read Romans chapter 2, verse 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Amen. Ça, c'est très important. This is very important. Voici la vérité évangélique. This is the gospel truth. C'est que tous les hommes que vous voyez, is that all men that you see ont péché, have sinned, et ne verront jamais Dieu. And will never see God. Pour voir Dieu, to see God, il faut recevoir son fils Jésus. You must receive his son Jesus. Et encore là, il faut qu'on te parle de lui. And then again, they need to talk to you about him. Selon la vérité. According to the truth. Donc, si on ne t'a pas parlé de lui et que tu meurs dans l'ignorance, tu péris dans l'ignorance. If they do not talk to you about him and you die in ignorance, you will perish in ignorance. Et si on t'a parlé de lui et que tu n'es plus dans l'ignorance, si tu meurs, tu seras jugé comme quelqu'un qui a connu la vérité et qui a refusé d'appliquer, de pratiquer la vérité. And if they talk to you about him and you do not accept him and you die, you will perish like someone who knew the truth and decided not to accept the truth. Et si tu écoutes la vérité et que tu te convertis, tu seras jugé comme quelqu'un qui était dans le péché, mais qui a écouté la vérité et qui a accepté la vérité et que Dieu a sauvé. And if you listen to the word and you accept it, you'll be judged like someone who heard the word, accepted it. Dieu ne te jugera pas selon les coutumes de ta race ou les coutumes de ta religion. God will not judge you according to the cultures of your race or the cultures of your religion. Dieu va te juger selon la splendeur de l'évangile de son fils Jésus-Christ. God will judge you according to the splendor of the gospel of his son Jesus Christ. Ton baptême doit être conforme au baptême de Jésus-Christ. Your baptism must be in conformity with the baptism of the Lord Jesus Christ. Ta repentance. Your repentance doit être conforme au message que Dieu avait donné à Jean-Baptiste pour venir prêcher avant l'arrivée de son fils. Your repentance must be in conformity with the message that God had given to John the Baptist to preach before the coming of his son. La repentance que Jean-Baptiste prêchait exigeait la pratique d'œuvres dignes de la repentance. The gospel that John the Baptist preached was demanding the practice of works that are worthy of repentance. Avec Jean-Baptiste, on ne devait pas se contenter de dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, amen. Non. With John the Baptist, it was not enough to say, Lord, forgive me of my sins. Il n'y avait pas, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Oh Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Non, non. Tu vas porter les fruits dignes de la repentance. There was nothing like, oh God of Jacob, take me in my state. No, you needed to bear fruits worthy of repentance. Les gens qui voulaient venir sans repentance, sans porter de fruits, Jean-Baptiste les a chassés. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, portez donc les fruits dignes de la repentance. People who came to John the Baptist and did not want to bear fruits worthy of repentance, John the Baptist sent them away and told them, you brood of vipers, who has taught you to flee from this generation, bear fruits worthy of repentance. Hallelujah. Hallelujah. Tu as donc
les voies de Dieu devant toi. Tu sais ce qu'il faut faire. Quand tu veux être sérieux, tu sais ce que tu dois faire. So you have the way of God before you. You know what you must do if you want to be serious with God. Et pour que les gens ne méprisent pas le ministère de Jean-Baptiste, Jésus est parti lui demander de le baptiser. Ça, c'est le jugement sur les incrédules. So that men would not despise the ministry of John the Baptist, Jesus went to him to be baptized. And this was a seal, was a judgment upon those who were unbelieving. Que Jésus va chez quelqu'un. That Jesus should go to someone pour se faire baptiser. In order to be baptized. Si toi, tu ne le fais pas. If you don't do it. Tu vas dire que tu imites qui? Who would you say you are imitating? Tu sers quelle principauté? Which principality are you serving? Tu seras délivré. You'll be delivered. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Mets fin à tous les mensonges. Put an end to all lies. Il y a quelqu'un qui doit donner la vie à Jésus. There's someone who must give his life to Jesus. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Lève-toi maintenant. Stand up right away. Viens te donner à Jésus. Come and give yourself to Jesus. Beaucoup sont venus parce qu'ils veulent que Jésus les aide. Many have come because they want Jesus to help them. Lis pour nous Osée chapitre 13 verset 9. Read for us Hosea chapter 13 verse 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Nous sommes réunis là en son nom. We are gathered here in his name. Et nous allons implorer la grâce du Père en son nom. And we are going to call upon the grace of the Father in his name. Mais tu n'es pas capable d'écouter sa parole. But you are not able to listen to his word. C'est ça qui est ton vrai problème. That is your true problem. Ton vrai problème n'est pas ta maladie. Your true problem is not your sickness. Ton vrai problème, ce ne sont pas les oppressions. Your true problem is not oppressions. Ton vrai problème, ce n'est pas l'adversité des démons. Your true problem is not the adversity of demons. Ton vrai problème, ce ne sont pas les sorciers de ton village. Your true problem is not the witches of your village. Ton vrai problème, your true problem, c'est que tu pèches, is that you sin contre celui que le Père a envoyé pour te sauver. Against the one that the Father has sent to save you. Par ton mensonge. By your lies. Par ta vie de masturbation. By your life of masturbation. Par ta vie d'adultère. By your life of adultery. Par ta vie d'hypocrisie. By your hypocrisy. Par ta colère et ta haine. By your hatred par and your ta anger. Jalousie, ta jalousie. By your jealousy. Tu maigris de jalousie. You get thin because of jealousy. Tu souhaites l'échec de tous tes amis. You wish for the failure of all your friends. Mais si tu te repens, but if you repent, tu auras la grâce de Dieu. You have the grace of God. Tu auras le secours de Jésus-Christ. You have the help of Jesus Christ. Tu l'invoqueras et il agira. You call upon him and he will act. Où es-tu? Where are you? Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 Si tu es en haut, tu te lèves, tu descends. If you are upstairs, you stand up and you come down. Si tu es dehors, tu entres. If you are outside, come inside. Si tu es dans le hall, if you are in the hall, you should come forward. Satan est vaincu. Satan has been overcome. Marc chapitre 3 verset 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Il veut les avoir d'abord avec lui. He wants to have them first of all with him. Ça vous concerne. This concerns you. Jésus ne sauve pas les gens pour qu'ils retournent dans les maquis. Jesus does not save people who go back into drinking spots. C'est pour les avoir avec lui. Il marche avec eux. He wants to have them with him. He walks along with them. Et il leur donne le pouvoir d'aller évangéliser et de chasser les démons. C'est pour ça que nous sommes là. Nous chassons les démons.
And then he gives them power to go and preach and cast out demons. That's why we are here, to cast out demons. Nous, nous avons obéi. We have obeyed. Vous devez aussi obéir. You too must obey. Si nous n'avions pas obéi, il y aurait personne ici. If we did not obey, there will be nobody here. Tu dois être avec lui. You must be with him. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Que Dieu est bon, il est bon, il ne peut that pas God se is good, fâcher. That he cannot get angry. Tu dois être avec lui. You must be with him. Tu dois rompre toutes les mauvaises relations qui te font pécher tous les jours. You must break all the evil relationships that make you to sin every day. Quelqu'un dit qu'on lui a dit va changer de comportement. Someone said they told him go and change your way of life. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que nous sommes d'accord? Are we agreed? Que Jésus nous a sauvés pour que chacun lui appartienne. That Jesus has saved us so that each one should belong to him. Vous voyez, vous êtes heureux, non? Vous aussi, vous pouvez acclamer. Hallelujah. Clap. Dis, j'appartiens à Jésus. Say, I belong to Jesus. Lis pour nous Isaïe. Read for us is Isaiah. Chapitre 52, verset 3. Chapter 52, verse 3. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Amen. Tu as péché. You sinned. Contre Dieu. Against God. Dieu t'a abandonné. God abandoned you. Les démons sont venus te ramasser. Demons came and picked you up. Pour te manipuler. To manipulate you. Pour habiter en toi. Pour habiter en to toi. To live in you. Pour t'entraîner dans le péché. And to lead you into sin. Pour te donner des maladies. To give you sicknesses. Gratuitement, ils n'ont rien payé. Ils ont trouvé quelque chose que Dieu a jeté. Free of charge, they found something that God had thrown away. Quand tu reviens, when you come back, et que Dieu décide de te racheter, and God decides to redeem you, il te dit, he tells you, ces gens-là, est-ce qu'ils t'ont même acheté? Did those people even buy you? Parce que si quelqu'un t'a acheté, on doit remettre son argent et on te prend. Because if someone bought you, they need to give his money back to get you. Tous les démons là, tous ces démons n'ont rien payé. All those demons did not pay anything. Et Dieu dit, and God says, et je vais te délivrer. And I'll deliver you. Je ne paye, il n'y a rien à payer. There is nothing to pay. Quand on dit que Jésus a versé le sang là, ce n'était pas pour te racheter d'entre les mains du diable. When they say Jesus shed his blood, it was not to redeem you from the hands of the devil. C'était pour te délivrer de la colère de son père. It was to deliver you from the anger of his father. Quand il a versé le sang, when he shed his blood, son père était content. His father was happy. Et il a dit tout est accompli. And he said it is finished. Et hallelujah. Hallelujah. Mais pour te délivrer, but to deliver you, il dit, c'est grâce, c'est gratuitement que vous avez été acheté. He says it is free of charge that you were redeemed. Non, c'est gratuitement que vous avez été vendu. He says you were sold for nothing. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. And without money, you will be redeemed. Imaginez un acheteur de produits, il arrive dans un village, tout le monde est mort, il prend les produits et il s'en va. Il n'a rien payé. Si tu veux récupérer ces produits, est-ce que tu lui donnes l'argent? For someone who did not buy anything gets to a village and is getting money from people. If you want to take back those products, you don't need to give him any money. Dis Satan. C'est Satan. Tu es exposé. You are exposed. Tu es jugé. You are judged. Tu es exposé, tu es jugé. You are exposed, you are judged. Quand on chasse les démons, il dit c'est ma fille, c'est ma fille. Quelle ta fille? When we cast out demons, you say it's my daughter, which daughter is that? Dis je proclame. Say, I proclaim que j'appartiens à Jésus. That I belong to Jesus. Je n'appartiens pas aux démons. I don't belong to demons. Je n'appartiens pas aux sorciers. I don't belong to witches. Je n'appartiens pas à la maladie. I don't belong to sicknesses. Je n'appartiens pas à l'oppression. I don't belong to oppressions. Je n'appartiens même pas à l'oppresseur. I don't even belong to the oppressor. Je suis libre. I am free. Jésus m'a racheté. Because Jesus has redeemed me. Ce n'est pas à prix d'argent que j'ai été vendu. I was not sold with money. Gratuitement.
free of charge. Et ce n'est pas pris d'argent que je serai racheté. And I will not be bought back with money. Tu dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'entre dans ma liberté. I get into my freedom. Dans ma liberté. Into my freedom. Vis-à-vis de chaque oppression. With regards to every oppression. J'entre dans ma liberté. I get into my freedom. De ma tête à la plante de mes pieds. From my head to the sole of my feet. Mon esprit, mon âme et mon corps. My spirit, my soul, my body. Mon présent et mon futur. My present and my future. Proclame la liberté. I proclaim freedom. Dis, l'Éternel a dit. The Lord said. Ce n'est pas c'est gratuitement que vous avez été vendu. That you were sold without money. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. And you'll be redeemed without money. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que je suis libre. That I'm free. Libre. That I'm free. Libre. I'm free. Libre. Free. Libre. I'm free. Et proclame-le, proclame-le. Proclaim it, proclaim it, proclaim it. Dis Satan. C'est Satan. Je proclame. I proclaim. Que Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour que le Père me pardonne. That Jesus did what needed to be done for the Father to forgive me. Dit Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour que je sois pardonné. So Jesus did what needed to be done for me to be forgiven. Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour me justifier. Jesus did what needed to be done to justify me. Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour me délivrer de la colère du Père. Jesus did what needed to be done to deliver me from the wrath of the Father. Mais quant à toi, but as concerns you, je me lève contre toi au nom de Jésus. I rise up against you in the name of Jesus. On ne te paye rien. We will not pay you anything. Parce qu'on ne te doit rien. And we owe you nothing. On ne doit rien à un voleur. And we owe nothing to a thief. On ne doit rien à un voleur. We owe nothing to a thief. Dis le Seigneur Jésus. Say the Lord Jesus. Nous a enseigné. Has taught us. Que le voleur ne vient que pour dérober. That the thief only comes to steal. Nous savons tu es venu pour dérober. Tu es venu pour you came to steal. You came to steal. We know that you came to steal. Tu es venu pour dérober. You came to steal. Tu es entré dans notre famille pour dérober. You entered into our families to steal. Pour égorger, pour tuer, pour détruire. To kill and to destroy, to slaughter. Et nous le voyons chaque jour. And we see it every day. Des pleurs, des souffrances. Cries, sufferings. Comme continuer à proclamer. Continue to proclaim. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis Satan. C'est Satan. J'ai entendu certaines personnes parler de ce qu'on appelle réclamation. I heard some people talk about what we call reclamation. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Avec nous. With us. Tu n'as rien à réclamer. You have nothing to claim. Parce qu'il est écrit. Because it is written. C'est gratuitement que vous avez été vendu. That you were sold for nothing, for no price. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. And now you will be redeemed with no money. Tu as volé. You stole. On ne paye pas au voleur. On ne paye pas au voleur. You don't pay the thief. You don't pay on the thief. On récupère ce qu'il a volé. You take back what we have, what you have stolen. Dis, je proclame. Say, I proclaim. On ne paye rien au voleur. That you pay nothing to the thief. Et on récupère tout ce qu'il a volé. We snatch what he has taken. What is stolen? Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je proclame. I proclaim. Que toi et tous tes démons. That you and all your demons. Et tous tes serviteurs parmi les êtres humains. With all your servants among human beings. Tous tes serviteurs parmi ceux qui sont morts, qui sont dans le séjour des morts. All your servants among those who are dead, who are in the world of the dead. Nous arrachons. We snatch. Tout ce que vous avez volé. All that you stole. Tout ce qui a été volé. All that was stolen. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous le récupérons. We take back. Par l'autorité de Jésus-Christ. With the authority of Jesus Christ. Nous libérons nos familles. We set our families free. Du joug de l'esclavage. From the yoke of slavery.
Avant de continuer, lisons d'abord un jugement dans Jérémie chapitre 3. Before continuing, let's read a judgment in Jeremiah chapter 3. Dis, écoute. Listen. Écoutez. Listen. Jérémie 3, verset 21. Jeremiah chapter 3, une verse voix 21. S'est fait entendre sur les lieux élevés. A cry was heard on the barren heights. Ce sont les pleurs et les supplications des enfants d'Israël. Was the weeping and the pleading of the people of Israel. Car ils ont perverti leur voix. Because they have perverted their ways. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. And they have forgotten the Lord their God. Revenez enfants rebelles. Return faithless people. Je pardonnerai vos infidélités. And I will cure your backsliding. Et les enfants répondent. And the children nous respond. Voici. Here we are. Nous allons à toi. We are coming back to you. Car tu es l'Éternel notre Dieu. For you are the Lord our God. Oui. Yes. Le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. The sounds that come from the hills and the mountains are lies. Oui. Yes. C'est à l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. It is to the Lord our God that is the salvation of Israel belongs. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Idols have eaten up the works of our fathers. Dès notre jeunesse. From our youth, leur brebis, their flock, et leur bœuf, and their sheep, leur fils, their sons, et leur fille, and their daughters, nous avons notre honte pour couche, we lie down in shame, et notre ignominie and pour our couverture, and our disgrace covers us, car for nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. We have sinned against the Lord our God. Nous et nos pères, both dès we, notre jeunesse jusqu'à ce jour. But we and our fathers from our youth till this day. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. And we have not obeyed the voice of the Lord our God. La parole déclare. The word declares. Que les idoles ont appauvri les hommes. That idols make men poor. Donne l'argent, donne ton fils, donne ta mère, donne ton père. Et il y a les pleurs partout, la misère. Give your son, give your father, give your mother, give your children. Et and there are cries everywhere, cries of misery. Et leurs prédictions sont des prédictions de mensonges. And their petitions are petitions of lies. Et nous réalisons finalement que le salut c'est à notre Dieu. And we finally realize that salvation belongs to our God. Le salut c'est à notre Dieu. And we belong to our God. Donc tu vas récupérer. So we are going to take tu back. Tu dis les idoles sont des voleurs, c'est le vol. Say idols are thieves. C'est le banditisme spirituel. That is spiritual banditry. On ment à quelqu'un qu'on vient le protéger, on prend tous ses enfants, il meurt. Chaque année quelqu'un doit mourir. They lie to someone that they have come to protect him, and every year someone has to die. They take his children. Dis je proclame. Say I proclaim. Que les idoles sont un grand mensonge. That idols are good liars. Les fétiches un gros mensonge. That idols are good liars. La magie gros mensonge. That magic is a good lie. Les sectes et l'occultisme gros mensonge. Sects and occultism a good lie. Des voleurs d'énergie. Thieves of energy. Des voleurs d'intelligence. Thieves of wisdom. Des voleurs de corps et d'âme d'homme. Thieves of the body and the souls of men. Lève ta main. Raise your hand. Des voleurs de richesses. Say thieves of riches. Dis nous arrêtons cela au nom de Jésus. We bring that to an end in the name je of Jesus. Je l'arrête dans ma vie. It stops in my life. Et je l'arrête dans la famille. I stop it in my family. Dis au nom de Jésus de Nazareth. Say in the name of Jesus. J'arrête ces pratiques. I stop this practice. Je les arrête contre moi. I stop it against me. Je les arrête contre la famille. I stop them against my family. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout ce qui se faisait contre moi. All that was done against me. Et contre toute la famille. And against my family. Par le pouvoir de ces idoles mensongères. By the power of these lying idols. Je l'anéantis. We bring them to naught. Je l'écrase. I crush them. Je l'arrête. I stop them. Et je proclame la liberté. And I proclaim my freedom. Je proclame ma liberté. I proclaim my freedom. Je proclame la liberté de I ma famille. I proclaim my freedom. Car il est écrit. Que Paul dit, crois au Seigneur Jésus. Believe in the Lord Jesus. Tu seras sauvé. And you'll be saved. Toi et ta famille. You and your family. Continue à prier avec. Continue to pray. Karabaka, sarabaka. Je brise tout. Saccage, j'écrase. Je néantis. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Satan. Satan. Tais-toi.
Shut up. Tu n'as rien à réclamer. You have nothing to claim. Tais-toi. Shut up. Et va-t'en. And go away. Tu n'as rien à réclamer. You have nothing to claim. Continue à prier. Continue to pray. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. Raise your right hand, say the name of Jesus. Dis d'un commun accord. In one accord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. D'un commun accord. In one accord. Nous brisons les résistances. We break the resistance. Les dernières résistances. The last resistances. Nous les brisons. We break them. Nous les écrasons. We crush them. Nous désorganisons. We disorganize. Le royaume des ténèbres. The kingdom of darkness. Nous désorganisons. We disorganize. Le royaume des ténèbres. The kingdom of darkness. Nous jugeons. We judge. Nous renversons. We overthrow. Nous détruisons. We destroy. Nous arrachons. We snatch. Nous abattons. Nous déracinons. We uproot. Continue à prier. Continue to pray. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous bannissons toute oppression. We banish every oppression. Nous bannissons tout envoûtement. We banish every bewitchment. Nous détruisons tous les objets qui servent l'envoûtement. We destroy every object. Nous détruisons tous les objets qui ont servi de lien pour l'envoûtement. We destroy every object that has served as a bond to bewitchment. Tous les objets dans le monde physique. We destroy them in et the physical tous les world. Objets dans le monde spirituel. We destroy them in the spiritual world. Tout breuvage dans le monde physique. Every drink in the spiritual tout in the physical dans world. Le monde spirituel. And every drink in the spiritual world. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je détruis. We destroy. Je détruis. We destroy. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je lave mon homme intérieur. I wipe my inner man. Avec le sang de Jésus. With the blood of Jesus. Tout ce que j'ai mangé, je le vomis, je le vomis, je le vomis. And everything that I eat, I vomit it. For my inner man. J'expulse tout dehors. I expose everything from outside. Je reste propre, pur, sanctifié. And continue I clean. Continue à prier. Sanctified. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous commandons à tout démon. We command every demon. Qui veut se cacher? Who wants to hide? Et se manifester de partir. To manifest himself and go out. Va-t'en, vite. Out in the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Out, out, out. Dehors. Away. Et ne reviens plus. And never come back. Asseyons-nous. Let's be seated, please. Asseyez-toi. Please be seated. Satan, tu dois partir. Satan, you must go. En partant, tu ne voles rien. And while going, you steal nothing. Tu ne laisses aucune maladie. And you don't leave behind any sickness. Tu ne laisses aucune infirmité. You don't leave any infirmity. Tu restitues tout ce que tu as volé. You restitute everything that you stole. Kabakashur, kabakalagasha. Je brise ton orgueil. Break your pride. Tous les démons derrière les maladies. All demons behind sicknesses. Tous les démons derrière les maladies. All demons behind sicknesses. Tous les démons derrière les maladies. All demons behind sicknesses. Je t'ordonne. Command you. Va-t'en. Out. Et tu prends toutes tes maladies. And take every sickness away. Ta mission est terminée. Your mission is ended. Tu n'atteindras pas le but. You will not remain. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Esprit de divination. Spirit of divination. Esprit de divination. Spirit of divination.
Toi qui produis des vaines visions. You will produce such visions. Tu es exposé. You are exposed. Sors. Out. Et va-t'en. And go away. Va-t'en. Go away. The name of Jesus Christ. Esprit démoniaque. Demonic spirits. Esprit démoniaque. Demonic spirits. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Cast you out in the name of Jesus. Tout esprit démoniaque. Every demonic spirit. Qui garderait captive. Who has held you captive. Une âme parmi ceux qui vient de donner leur vie à Jésus. Who has held not Je te chasse. Cast you out maintenant même. Go and never come back. Kalabaka shurga labaka shurga labaka shurga labaka urga baka shurga labaka shurga labaka urga baka shurga labaka shurga labaka urga baka shurga labaka shurga labaka shurga labaka urga baka shurga labaka shurga labaka. Left hand droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous désorganisons tous les camps de Satan. We disorganize all the camps of Satan. Dans le séjour des morts. In the world of the dead. Sur la terre. On the earth. Sous la terre. Under the earth. Dans les eaux. In the waters. Sous les eaux. Under the waters. Dans les rochers. Sous les rochers. On the rocks. Dans and les collines. Under the rocks. Sous les collines. On dans the les mountains. Forêts. Under the hills. Dans les savannes. In the forest. Dans the savannah. Déserts. In the deserts. Nous amenons la confusion totale. We bring total confusion. Confusion totale. Total confusion. Nous ne laissons rien qui tienne. We leave nothing that stands. Contre un seul des petits enfants que Jésus a sauvés. Against one of the little children that Jesus has saved. Que la colère de Dieu. With the wrath of God. Le feu de Dieu descende. The wrath of God come down. Pour poursuivre, pour consumer. To chase and to consume. Dis et toi maladie. So you sickness. Que les démons ont laissé. That demons left. Ou que les démons ont envoyé. All the demons brought in. Tu as les oreilles, tu entends. You have ears to hear. Quitte ce corps. Leave this body. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis, je proclame. So I proclaim. Que j'ai reçu la guérison en Christ. That I've received healing in Christ. Dis, je proclame. So I proclaim. Que Jésus ne m'a pas seulement guéri. That Jesus not only healed me. Il est ma guérison. He is my healing. Jésus ne me délivre pas seulement. Jesus does not only deliver me. Il est ma délivrance. He is my deliverance. Il est mon repos. He is my rest. Il est mon assurance. He is my assurance. Il est ma vie. He is my life. De haut mon corps. Say oh my body. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Reçois la vie de Dieu. Receive the life of God. Reçois la vie de Dieu. Receive the life of God. Reçois la restauration de Dieu. Receive the restoration of God. Reçois la santé de Dieu. Receive the health of God. Reçois la santé de Dieu. Receive the health of God. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tout ce qu'on appelle maladie incurable. Let all that is called incurable sicknesses. Soit terrassé. Let that be brought down. Sortez de chaque corps. Leave everybody. Et disparaissent dans le néant. And disappear into naught. Disparaît dans le néant. Disappear into naught. Tu dis ton maladie. Say you sickness. Tu n'étais rien. You are nothing. Rien. You are nothing. C'est dans mon corps que tu veux te développer. In my body that you've developed. Je te réduis à néant. I bring you to naught. Je te réduis à néant. I reduce you to naught. Tu n'existes plus. You no longer exist. Tu n'es plus. You are no longer tu there. Tu ne seras plus jamais. And you never exist. Oh. Prie en langue. Pray in tongues. Uri ama kere bala ma kere bakara ba uri ama kala basaka baka uri ama kala kasa baka ala baka 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 kala kasa baka. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tous les maux d'articulation soient guéris. May all the pain of joints be healed. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tous les diabétiques soient guéris. May all the diabetes be healed. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of que Jesus. Que tous les hypertendus soient guéris. May all hypertension be healed. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que ceux qui souffrent du cancer soient guéris. May all those who are suffering from cancer be healed. Dieu au nom de Jésus Christ.
souffrent du VIH sida soient guéris. May all those who are suffering from HIV AIDS be healed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Ceux qui souffrent des ulcères soient guéris. May all those who are suffering from gastric ulcers be healed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que les hémorroïdes disparaissent. May all hemorrhoids be healed. Que les boules disparaissent. May all boys be healed. Que ceux qui ont des organes qui manquent soient guéris. May all those who have organs that are lacking be healed. Ceux qui ont des organes qui poussent des excroissances soient guéris. May all those who have organs that are growing abnormally be healed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que ceux qui ont mal aux yeux soient guéris. May all those who have pain in their eyes be healed. Que ceux qui souffrent du cataracte soient guéris. May all those who are suffering from cataracts be healed. Que ceux qui souffrent du glaucome soient guéris. Ceux qui souffrent de la sinusite soient guéris. May all those who are suffering from sinuses be healed. Et que tous ceux qui souffrent de la respiration soient guéris. May all those who are suffering from respiration disease be healed. Guérison. Healing. Tu dis la pluie de guérison. The rain of healing. Le règne de Jésus-Christ. The reign of Jesus Christ. Dis, nous proclamons le règne de Jésus. So we proclaim the reign of Jesus Christ. Le règne de la guérison. The reign of healing. Tous ceux qui ont les maladies du sang soient guéris. All those who have sicknesses and the blood be healed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Quelles que soient les causes. Whatever be the cause, tous ceux qui souffrent des démangeaisons sont guéris. Whatever, all those who have itches be healed. Quelles que soient les causes. Whatever be the cause, ceux qui souffrent des boutons. May all those who soient guéris. All those who have pimples be healed. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Prions en langue. Let's pray in tongues. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toi qui souffrais d'épilepsie. You were suffering from epilepsy. Il ne te visitera plus jamais. He will no longer visit you. Il est venu. He came. Il t'a fait tomber, il est parti. To make you fall au and he went away. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il ne reviendra plus jamais. He will never come back. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous arrachons les fibromes. We nous les jetons dans le néant. And we throw them into nuts. Nous proclamons la guérison de tout ce qui avait des fibromes. And we proclaim the healing of all those who had fibroids. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous restaurons l'appareil de reproduction de chaque homme. We restore the reproductive organ of every man. Dans toutes ses facultés de procréation. All his faculties of procreation. Selon les desseins de Dieu. According to God's purposes. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous restaurons l'appareil de reproduction de chaque femme. We receive the reproductive organs of every woman. Selon les desseins de Dieu. According to the purposes of God. Sans anomalie, sans carence, sans défaillance. Without any abnormalities. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous proclamons la guérison de tous les hommes qui souffrent d'impuissance sexuelle. We proclaim the healing of all men who are suffering from sexual impotence. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le règne de Jésus. We proclaim the reign of Jesus. Prions en langue. Let's pray in tongues. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Nous guérissons tous ceux qui souffrent de l'insuffisance rénale. We heal all those who are suffering from kidney failures. Au nom de Jésus Christ. Nous name of Jesus. Guérissons tous ceux qui ont des problèmes de cœur. We heal all those who have heart problems. Whatever be the problem. Quel que soit le problème. Whatever be the problem. Quel que soit le problème. Whatever be the problem. Nous proclamons leur délivrance. We proclaim their deliverance. Nous proclamons leur guérison. We proclaim their healing. Par le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. Par la main de Dieu, la main de Dieu. Put the hand of God, the hand of God. Gardez le silence. Be quiet. Pendant que tu gardes le silence, souviens-toi de la parole de Jésus. While you are quiet, you should remember the words of Jesus. Il dit, si vous demandez quelque chose en priant, he says, if you ask something in prayer, croyez que vous l'avez reçu. Believe that you've received it. Frère, la parole de Dieu est la vérité. Brethren, the word of God is the truth. Et Jésus est réel. And Jesus is real. Il a marché parmi les hommes. He walked among men. Il est mort. He died. On l'a tué. They killed him. Selon les Écritures. According to the scriptures. Et il est ressuscité. He rose. Il est vivant. He's alive. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. He says, I am with you always. Jusqu'à la fin du monde. Until the end of times. Il a dit, comme le Père m'a envoyé. He said, as the Father sent me. Moi aussi je vous envoie. I also send you. Il faut croire à ça. You should believe in it.
Acclamons pour Jésus. Let's clap for Jesus Christ. Disons-lui merci.